Apparemment, il y a un trou de balle, là. PQ national, quoi. Patrice Cartron, qui a rien compris. A rien compris. Je t'avais complètement zappé de ma vie. Moi, je pense jamais à toi. On n'arrête pas de m'envoyer des liens. On n'arrête pas de m'envoyer, des trucs, des vidéos sur toi. On n'arrête pas. Ça fait des mois et des mois. Des mois, je dis aux gens, allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre, ce couillon-là, toi. Hé, espèce de fils de pute, mais t'en as pas marre de casser les couilles. Je vais le sauver en hier, là, maintenant. C'est ça qui m'a... Ça m'a rendu fou. Je vais le sauver en hier, maintenant. Comme quoi, t'envoies des messages au frère Bouganem. Comme quoi, tu pèses sa mère... à son âme, des pauvres femmes, t'es décédée, et toi t'envoies des messages, baisse ta mère, pas à moins cher, mais comment tu peux permettre, mais putain, t'es une merde à ce point-là, c'est pas possible, paix à son âme, pauvre femme, je devais boxer contre le garçon, tu vois, mais jamais de la vie, je me permettrais, jamais de la vie, je pourrais oser, ou juste penser un truc comme ça, mais comment tu peux permettre, tu parles sur les Marocains, sur les trucs des SS, pas à manger, on m'envoie des liens, moi, j'ai autre chose à foutre dans ma vie, moi, ma vie, elle va très bien, moi. Comment dire, moi, tu fais pas partie du tout de ma vie. Comment dire, il y a des gens, il y a ici, avant-hier, je reçois un message de David 007, je sais pas quoi, là. Comment dire, en train de me dire, ouais, carton, comment dire, veut te boxer, pas à manger, hein, toi. Je réponds pas. Ah, bah, un autre jour, je reçois un message d'un certain Sébastien, là, ouais, carton, on te baise, il t'enfile, et là, je réponds pas, c'est des conneries. Putain, mais c'est quoi ce bordel? T'as ça à foutre, quoi. T'envoies tes sbires ou quoi? T'inspires et casser les couillons, en fait. C'est ça que tu fais, en fait. Comment dire, tu dénigres tout le monde, comment dire. Tu parles sur le dos de Bois, tu parles sur le dos de Benzema. Comment dire, tu brûles le drapeau de l'OM devant le stade, comment dire, devant le stade. Mais c'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème? Alors, la cerise sur le gâteau, toi, ouais, magnifique, ça. Alors, tu, comment dire, ici, c'était quand? C'était, on est quoi aujourd'hui? Dimanche? Jeudi, on m'a envoyé un liège, comme quoi tu parlais encore sur Jérôme. Jérôme, putain de merde, mais c'est un cas, tu lui arriveras jamais à les chevilles. Est-ce que tu le pisses ou pas? Tu lui arriveras jamais. C'est ça, en fait, t'es frustré. On m'a envoyé un liège, comme quoi tu parles encore sur Sodon, le toxicomane, le bad boy, je sais pas quoi, là. Mais c'est incroyable. Tu te rappelles pas, il y a quelques mois d'ici, je t'avais dit, quand t'étais en Normandie, t'avais été au Havre, et tu disais à tout le monde, ouais, je suis au Havre, comment dire qu'ils viennent, je l'encule, bazar, machin. Et je t'avais dit, à ce moment-là, je t'avais dit, j'avais pas été parce que j'avais des chiots, mais je devais me préparer. Je devais y aller, tu vois, je devais m'occuper des chiots. Si jamais je suis là à ce moment-là, ton putain de cinéma, tu le fais pas. Parce que dans la rue, mon gars, je vais t'arracher la tête. Le problème, qu'est-ce qui se passe, toi? C'est que t'es tellement une merde, tu viendras pas tout seul, toi. Donc je suis obligé de venir avec une équipe, toi. Mais parce que si tu me promettrais, toi, tu viendrais tout seul. Putain, tu ferais le plus beau cadeau au monde. Parce que quand on a boxé ensemble, espèce de merde que t'es, toi, de... Toi, le combat que j'ai fait avec toi, le premier combat, jamais j'aurais dû le faire parce que j'avais boxé deux semaines avant contre Wendell Roche. Wendell Roche, il avait boxé l'Infusion, il avait gagné l'Infusion. C'est un gars super connu, toi. J'étais cassé partout. Et t'as fait comme Potourak, toi, quand t'as boxé contre Potourak. Parce que moi, j'ai boxé Potourak en Croatie, à Zagreb. Et comment dire, j'ai gagné tout juste parce que c'est un guerrier Potourak. Comment dire, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu devais boxer en Kerouane contre lui, et à la dernière minute, t'as changé les règles, t'as boxé en boxe thaï. C'est exactement la même chose que t'as fait avec moi quand j'étais boxé à Paris. Tu te rappelles bien, espèce de tocard que t'es. C'est parce que les gens, ils savent pas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, vu que je suis un homme, tu vois, normalement, jamais j'aurais dû venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quand même venu deux semaines après mon combat, j'étais cassé partout et je suis venu à Paris. Ouais, j'ai perdu, y'a pas de problème, je cherche pas d'excuses, j'ai perdu, y'a pas de soucis. Mais quand t'es venu à Liège, t'as fait quoi? T'as fait quoi, pédale? T'as fait quoi? Dis-le, t'as fait quoi? Ouais, je me suis fait garantir, t'as fait quoi? T'as fait la pute, parce que si toi tu dis à tout le monde, je suis pas trop, t'es une pédale, t'es rien du tout, t'es zéro nada, et je vais même te dire un truc, je t'ai entraîné trois semaines pour ce combat-là. T'as ramassé comme une merde, et t'as tellement eu un chaos psychologique, putain, t'as même pas accepté le quatrième round. Alors ferme ta gueule, moi, je veux même pas que tu portes tout le monde. Parce que moi, je vais te ridiculiser encore plus. Parce que cette fois-ci, tu retournes pas, hein. Tu repars pas de la Belgique. Mais pourquoi tu boxes pas contre le gamin? Parce que le frère des Bouganem, il a 22, 23, 24 ans, un truc comme ça, toi. Pourquoi tu boxes pas contre lui? Pourquoi tu boxes pas? Tu parles, tu traites de gros pour rien, là, toi. Mais au boxe, comment dire, on va mettre la confiance. Pourquoi tu boxes pas contre lui? Moi, je devais boxer contre lui, moi. Vous parlez, moi, non, comment dire, moi, j'ai absolument rien du tout contre lui. Toi, pourquoi tu boxes pas contre lui?
lui et qui va t'arracher la tête. T'es là en train de dénigrer, en train de parler derrière son dos. Tu parles sur le dos de sa maman. Est-ce que tu te rends compte ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte deux secondes, t'as 40 piges. Tu parles sur une femme, perds son âme, toi, qui est décédée. Et tu dis, j'encule sa mère dans son cercueil. Mais putain de merde, Carturo, mais bordel, t'as pas envie de te réveiller ou quoi? Comment tu peux te regarder dans un miroir? Comment tu peux faire? Comment tu veux faire? Tu sais, nous, moi j'ai boxé contre les meilleurs boxeurs au monde. Je me suis entraîné contre tout le monde. Tu sais que tout le monde se respecte. Tout le monde se... Quand on se voit tous, prendre le bras, on serre la main. J'ai été manger au resto, on a déjà été boire des verres et tout ça. Personne, il n'y a aucun problème avec personne. Je connais tous les meilleurs boxeurs de ce monde, si putain de merde. Il n'y a jamais eu un seul souci. Un seul souci. Il n'y a qu'avec toi, comment dire, qu'il se passe. Pourquoi? Parce que t'es une merde frustrée. T'es une merde, t'es une pédale, quoi. Tu te permets de parler sur les Marseillais. Comment dire? Putain, mais les Marseillais, moi j'étais boxé 3 fois à Marseille, toi. Ça, c'est des gars extraordinaires, hein. Tu brûles. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas le foot, t'aimes pas l'équipe de l'OM? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, comment dire, il y a une fille, comment dire, t'as voulu niquer, elle a pas voulu, c'était une fille de Marseille. Et t'as... Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te permets de te brûler un drapeau? T'es là en train de faire le patriotique avec ton drapeau à la, je vais pas dire à la con, parce que moi je manque pas de respect à la France, tu vois. Moi, comment dire, je suis pas comme toi, tu vois. Mais, hé, mon gars, tu sais quoi? T'as tellement retourné ta veste que Marine Le Pen, tu vois, elle a mis un gant de ceinture, ouais, t'encule tous les jours, parce que t'es là en train de prêcher, comment dire, sur le Front National. T'es là, t'as retourné ta veste sur, comment dire, sur tes frères de banlieue, tu vois, parce que ces gens-là, ils aiment pas les blacks, les arabes et tout ça, tout le monde, ils aiment pas le Front National, tu vois, et toi, t'as tourné ta veste, t'es là en train de dire, mais, tu vois, le Burkini, ben, pourquoi est-ce que vous faites ça, tu dis tout ce que le Front National veut que tu dises, comme un panthère, t'es là en train de dire, moi, je suis le patron, moi, je suis loup, chien, là, personne me donne des ordres, mais en attendant, comment dire, t'es là en train de faire le porte-parole de ces trous de balles-là, tu vois. Et t'es là, en plus. Non seulement, comment dire, tu fais ça pour attirer beaucoup plus de monde qui te regarde, et en plus, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vu que tu fais passer la parole de cette grosse merde-là de politicien, tu vois, comment dire, même si j'en ai rien à foutre, qui me valent mal ou pas, qui pense mal de moi, je m'en contrôle pas les coyons. Mais complètement, moi je suis pas une girouette comme ça, toi t'es une girouette mon gars. Comment tu peux tourner le dos à tes frères, tu tournes le dos à tes frères, tes propres frères, t'as vécu où toi? T'as grandi dans un château? T'as grandi dans un château comme eux? Tu crois qu'ils en ont à foutre de ta gueule, connard, ouais? Ils en ont rien à parler de ta gueule. Toi t'es qu'un pion qui déplace comme ils en ont envie. Quand le jour où ils auront plus besoin de toi, ils vont te mettre un coup de pied au ton cul et tu vas dégager. T'es qu'un pion. T'as vécu avec eux, toi? T'as grandi avec eux? Non. Et maintenant ils servent de toi, comment dire, pour prêcher leurs paroles à la con, toi. Et toi tu les suis comme un mouton. Et en plus tu te permets, en plus de ça, d'avoir plus de personnes pour dénigrer encore plus les gens. Tu passes sur le dos de pouvoir. T'as frustré. Tu parles sur le dos Benzema. Mais putain, c'est tous des gens qui ont réussi. Tu parles sur le dos, de Jérôme. Jérôme, le toxicomane, le chic, le tchat. Mais putain, mais t'arriveras jamais à sa cheville. Tu n'arriveras jamais à sa cheville. Ça, tu le sais au fond de toi-même. Ça te bouffe tellement l'esprit. Comment dire, t'es obligé de faire des vidéos. Tu passes sur mon dos, comment dire, ouais, Sinistra, tu mets des vidéos sur moi quand je suis tombé des corps. La corde était distendue, connard. Je fais 115 kilos, c'est normal, je suis tombé des corps. Mais regarde le combat, tu m'as pas touché. Alors, qu'est-ce que tu mets? Tu mets juste la photo quand je suis tombé des corps. Mais c'est incroyable, ça. Mais t'as besoin tellement de reconnaissance à ce point-là. Comment dire, t'es obligé de casser les couilles, genre. T'es obligé. J'arrête pas de voir. Ça fait des mois. Je reçois, comment dire, des liens, des trucs sur toi. Tu passes au dos de tout le monde. Ferme ta gueule, Cadron. Ferme ta gueule. Tu commences à me casser les couilles maintenant. Ferme ta gueule. T'as compris ou pas? Ferme-la. Arrête de dénigrer les gens. Arrête de parler sur le dos des gens. Putain. Mais comment tu peux te permettre? Je te jure, il y a plein de gens qui m'ont dit que tu m'insultais, pas à ma chaîne. Je m'en contrôle pas les couilles. Mais quand j'ai entendu ça, tu vois, avec la maman des Bouganem, ça m'en saute. Je te jure, j'ai pété le... Mais comment tu peux te permettre? Comment tu peux te permettre sur une personne qui est décédée à parler comme ça? Comment tu peux te permettre, putain de merde? Imagine-toi qu'eux, ils ont perdu leur mère. C'est des orphelins. Ils ont grandi, ils sont battus. Ils se sont battus. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Et toi, tu... Putain, mais respect, bordel de merde. Et toi, tu te permets de dénigrer comme ça? Tu permets de parler mal sur ces gens-là? Mais t'es une putain. Hé, mon gars, écoute-moi bien deux secondes. Tu vas finir en quatre planches, toi. Toi,
tu vas finir au caplan. Je crois moi ce que je te dis. Parce que tu sais quoi, le problème qui se passe avec toi, que tu réalises pas que les PD qui te suivent, hein, ils retourneront leur veste, comme toi, tu la retournes avec tous les gens que tu as connus avant. Fais attention au carton. Fais attention au carton.